m'appelle Claudine Lachaud, je suis créatrice de costumes à la base et je suis arrivée à ce métier parce que j'aimais la couture. Je crois que j'ai toujours fait de la couture. Petite, j'étais à la campagne, en Périgord, tout le monde cousait, la couturière venait deux fois par an à la maison, à la ferme, donc j'ai commencé à coudre avec elle. Et j'ai commencé à faire des costumes de théâtre, tout à fait par hasard, avec les copains, les amis. Puis après, petit à petit, j'ai travaillé aussi avec d'autres costumières. Et j'ai travaillé pour l'opéra. Et on a commencé à nous confier des spectacles. Et je suis devenue chef d'atelier petit à petit. Le travail de costumier, c'est un travail d'équipe. Il y a ceux qui aiment la coupe, il y a ceux qui aiment la couture de décoration de costumes, la teinture, la patine, parce qu'on peint les costumes aussi, on ne fait pas que les réaliser, il faut aussi les rendre vivants. Là, il fallait qu'on ait l'impression que c'était de la broderie au fil d'or. Bon, évidemment, au théâtre, on ne peut pas broder au fil d'or. Donc, on a imaginé de faire une espèce de patchwork sur une base de cuir. Donc, on a brodé et on a découpé au bord et ensuite, on a peint. Personne n'imagine que ces costumes, ça a été très, très compliqué à faire. Je m'appelle Tatiana, j'ai 27 ans et je suis costumière modéliste. Moi, ce que je trouvais super passionnant, c'est de pouvoir réaliser le dessin, en fait. Donc vraiment, après, l'idée de le faire du début à la fin. Enfin, moi, ce qui m'a ébloui la première fois, et c'est ce qui m'a fait choisir ce métier, c'est de voir une maquette et de voir la robe à côté qui correspondait quasi parfaitement à la maquette. Et c'est justement toutes les étapes qu'il y a pour arriver à ça. Et ça, c'est ça qui est génial. Alors moi, avant ça, j'avais jamais ouvert un magazine de mode et j'avais jamais tenu une aiguille dans les mains. Donc c'est vrai que mes parents en doutaient un peu au départ. Finalement, en seconde, j'ai complètement découvert le métier. J'aime bien travailler pour le théâtre, pour les techniques, genre faire des corsets, j'aime beaucoup. Tout le petit travail à la main qu'il y avait beaucoup sur les vieux modèles, genre faire les abeilles ou tout ce qui peut être point de feston, petite broderie, ça j'aime beaucoup. En fait, costumière, c'est avoir des connaissances plutôt un peu historiques et aussi bien dans le design pour pouvoir travailler avec des metteurs en scène ou même travailler tout simplement sur les costumes en respectant des coupes de l'époque. Ah, ça, ce sont des tissus que nous avons achetés ou en solde. Il y a des choses qui viennent d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne et de France. On a des vieux tissus. On a aussi surtout des collections de dentelles anciennes ou des rubans, enfin, des galons. Ça, par exemple, ce galon qui a dû être fait dans les années 30-40. J'ai trouvé ça dans les brocantes. Peut-être que la robe naîtra de ce galon. Peut-être que le créateur de costume dira « ce galon m'inspire la robe » et voilà. J'adore être au service d'un créateur de costume. Toutes les solutions, c'est nous qui les trouvons. Au départ, on nous confie le croquis et on nous dit « bon, bah, comment allez-vous faire ?» Alors, c'est ça qui est amusant, c'est qu'en général, quand on a le croquis, on dit « bon, bah, ça n'est pas possible, comment on va faire ?» Et en fait, on trouve les solutions. Mais au départ, on se dit, tiens, comme c'était des chauves-souris, il fallait trouver un système pour qu'elles aient des ailes qui se déploient, qu'elles soient à la fois très légères, complètement flexibles, parce que en sautant à l'élastique, quelquefois, les ailes touchaient le sol et devaient pouvoir se plier complètement. On
fait des costumes, par exemple, d'hommes des cavernes. Et comme disait Alain Chabat dans son film Re, nous n'y étions pas, mais nous l'avons fait comme si nous y étions. On a pris des peaux de bêtes. Les peaux ont été rasées, tondues, brûlées, déchiquetées. On a été faire bouillir des os de poulet pour faire les attaches. On ne regarde pas que le costume, on regarde les techniques aussi. Quand on est costumier, on ne peut pas s'empêcher. Quand on fait du costume de théâtre, ça va pas être porté qu'une fois, ça va partir en tournée, le comédien il va transpirer, donc ça abîme énormément les costumes. Les mises en scène font que les gens ils se jettent par terre, ils sont en costume, tant pis, ils rampent, ils malmènent leur costume parce que c'est le jeu qu'on leur demande de faire. Je pense que si on n'est pas passionné au départ, on ne tiendra pas. On demande souvent tellement d'investissement que si on n'est pas passionné, ça ne marchera pas. Et puis en plus, on est récompensé. Enfin, je trouve que c'est un métier qui nous récompense. Voilà. Costumier fait partie des métiers des arts du spectacle. Il s'exerce dans les domaines de l'audiovisuel, du cinéma et des arts de la scène. Si tu as entre 16 et 25 ans, peu ou pas de formation artistique, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Ces formations se pratiquent en continu ou en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Niveau CAP. CAP couture flou. Le CAP est aussi le moyen d'accéder à un bac pro ou à un diplôme supérieur, le DTMS. Niveau bac. Bac pro artisanat et métier d'art, option vêtements et accessoires. Bac pro vêtements, création et mesure. Niveau Bac plus 1, formation complémentaire, entretien et rénovation des costumes de théâtre. Formation complémentaire d'initiative locale, valorisation et préservation des costumes et accessoires d'exception. Niveau Bac plus 2, BTS design de mode, textile et environnement, option mode. Diplôme des métiers d'art de costumier réalisateur. Diplôme de technicien des métiers du spectacle, option technique de l'habillage. Niveau Bac plus 3. Diplôme de costumier coupeur à l'ENSAT, École nationale supérieure d'art et technique du théâtre de Lyon. Diplôme de scénographie costume de l'ESSAD, École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Niveau Bac plus 5. Diplôme de concepteur costume à l'ENSAT et diplôme de responsable de service costume à l'ENSAT. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site unmétierdartpourmoi.org.